Nous sommes de ceux qui mentent, de ceux qui jurent de ne pas le faire. Nous sommes de ceux dont il faut se méfier, de ceux dont on prononce le nom avec mépris, de ceux qui vous sont indispensables. Nous sommes de ceux qui se disent différents. Nous sommes de ceux qui disent de faire attention à la parole, à l'information, aux rumeurs, et nous sommes ceux qui les répandent. Nous sommes ceux qui croient en vous, les intermédiaires médiocres. Nous sommes la parole, l'information et les rumeurs, et nous mentons. Je t'ai convaincu que tu pourrais changer la face du monde en écrivant sur des banquiers et des politiciens dont tout le monde se fout. Et tu nous as convaincus aussi. Ton journal marche, mais pas tant que tu l'avais espéré. Et maintenant, tu te demandes pourquoi tu as eu un jour besoin de nous. Moi, peut-être, puisque je pouvais voler à mes parents tes précieux documents. Mais les autres, pur besoin de crédit. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Parce qu'elles sont évidentes à Aaron. Tu divagues. Alors nous sommes sept à divaguer. Il faut que je trouve de quoi décrédibiliser Aaron avant qu'il n'agisse publiquement. Les journaux des archives ne me seront pas d'une grande aide, mais ils m'aideront à me souvenir de ce que nous faisions à l'époque de leur publication. Et si je commençais par chercher Aaron? Vous ne vous souvenez pas? Mais jamais. Mais si! Votre père m'avait invité à la Winter House pendant une semaine. Quand ça? Je sais plus. Nous devions avoir 11 ou 12 ans. Nous avions essayé de faire porter une robe à Aaron. Oh mon Dieu, exact. Ilan nous avait même aidé en essayant de l'enfermer dans un placard. Ça faisait 10 ans que personne n'en avait parlé et c'était très bien comme ça. Ce n'était pas ainsi pendant ses vacances qu'Aaron avait voulu te demander en mariage. Si. Laissez-moi mourir en paix maintenant. Donc, les présentations. Matt Winsmith, je présente Scarlett Appledore et Aaron Williams. Même si on s'appelle plutôt par mon prénom ici. Puis-je vous faire servir quelque chose, Matt? Non, merci. Enfin, oui. C'est juste que c'est bizarre d'être ici. Quand j'ai envoyé cette lettre, c'était par pur hasard. Je ne m'attendais même pas à une réponse. Ce n'est pas comme si nous étions une très grande structure. Et puis, comment dire non à un peu d'aide? La fausse modestie, vraiment. Ne faites pas attention à lui, il a décidé d'être insupportable aujourd'hui. Combien de temps resterez-vous à New York, Matt? Aussi longtemps que nécessaire. D'accord. Tu es sûr que tu ne l'avais jamais rencontré? Je ne sais même pas si j'étais à New York cet été-là. Tu sais, je me souvenais même plus d'être venu. J'avais 15, 16 ans. Tu en avais combien, Ron? Aucune idée. Je crois que je n'avais même pas encore de barbe. Et toi, il me semble que c'était avant que tu commences ton premier roman. Tu écris? Mais pourquoi penses-tu que je sois ici? Le journal promet d'être ennuyé à mourir si personne ne met en forme les articles. Oui, mais... Oh, si tu me répètes encore une fois de faire attention aux conjonctions de coordination pour que les phrases soient plus claires, je te jure, Aaron, je vais te tuer. Ne t'en fais pas, Dimitri, c'est au moins la troisième fois qu'il m'explique que la police que j'ai choisie pour le titre ne m'inspire pas confiance. Est-ce que nous ne sommes pas censés donner ne serait-ce qu'une raison à notre démission là-dedans? Sincèrement, je n'ai pas su quoi écrire. C'est évident. Junie, tu as prostitué ton image pour Aaron. Toi, Lance, il t'a fait croire qu'il t'embauchait pour analyser des chiffres alors qu'il t'exploitait pour en recopier. Dimitri, il a oublié 15 ans d'amitié pour l'encre de son journal. Toi, Alan, il t'a privé de tes droits d'expression élémentaires. Quant à toi, Matt, il s'agit d'abattre un criminel. Abattre un criminel, oui. Reste à savoir comment.
Dis-moi, Junie, je te connais, mais je ne te connais pas. Comment ça se fait? Ah, ça. On m'a vu dans Mr. Chatterbox, quelquefois dans The Commander aussi. Journée mémorable. Tu sais, la fille Smith qui s'enchaîne aux grilles du Sénat pour défendre le droit des femmes, des noirs, ou je ne sais quoi, entre deux soirées de la haute. Bien sûr, je cite l'article, celle que l'on photographie la seule nuit de l'année où elle vomit son whisky, comme si elle le faisait tout le temps. Bon, très bien. Les présentations sont faites. Si Junie est là, c'est avant tout parce qu'elle est gentille. Ensuite, parce qu'on peut lui faire confiance. Puis parce qu'elle est intelligente et qu'elle connaît du monde. Et enfin, parce que c'est une innovatrice méconnue. Droits de la femme, des nègres, des pauvres, programme d'intégration pour les immigrés, elle est merveilleuse. Philanthrope sans arrière-pensée. Son image est parfaite pour la ligne éditoriale. Mon image? Je croyais que tu voulais faire un journal qui ne révélerait que la vérité. Oui. Parler d'image, c'est quand même un petit peu le début d'un mensonge, non? Et comment tu comptes t'y prendre? En brisant l'image publique d'Aaron. Mais encore? Ce que Scarlett a dit tout à l'heure, sur chacun d'entre vous. Le concept d'Aaron était absolu, mais pas au sein de sa propre équipe. Il a menti. Je ne dis pas qu'il faut aller tout raconter à Chatterbox. Il ne s'agit pas de créer une polémique, mais un scandale. En un mot, il nous faut des preuves. Oui, faisons ça. Comment fait-on ça? Comment brise-t-on ton image à Aaron? Comme le bateau de Barbe Noire. Déjà, c'était un vaisseau, pas un bateau. Et ensuite, Barbe Noire, c'était le Queen Anne's Revenge. Et le tien, c'était... Le Anne Bonny's Revenge. Qui ça? Sérieusement? La pirate Anne Bonny et Mary Read. Tu ne te souviens pas? Tu veux qu'on nous jette des pierres? Quel rapport entre les pirates et ton concept de... Comment disais-tu déjà? Pure vérité. Parce qu'Anne Bonny était une pionnière dans un monde de pionniers. Il aime juste beaucoup les pirates. Combien faut-il te payer pour qu'on ne l'appelle que le Revenge? Cher. Bien, disons le Revenge, donc. Alors, vous et moi, on doit se tutoyer? Apparemment. C'est très étrange. Très. Arrêtez avec ça, vous vous en remettrez très bien tous les deux. Lance, tu m'as dit au téléphone que tu avais ton propre cabinet de comptabilité. Oui. Tu sais que le Revenge risque de te prendre du temps bénévole. Je sais, ne t'en fais pas pour ça. J'ai réellement envie de le faire. J'ai envie de faire quelque chose. On ne le prend pas mal, Amy, mais regarder les chiffres qui n'ont aucune valeur toute la journée fait rapidement relativiser. Je n'ai que des clients comme ton mari, Amy, des clients posés dans une fortune, sans risque, sans histoire. Enfin, vous comprenez? Je comprends. Comment se porte le Revenge en ce moment? Mieux que bien. Il est en arrêt. En arrêt? Avez-vous lu la lettre lecteur? Ils ont répondu. Nous retournons donc à notre premier travail, le tri. Comment ça? Confirmer les sources, analyser les faits, séparer le public du privé. Nous ne rendons public que ce qui doit l'être, et la pratique est plus ardue que la théorie. Puis-je? Que sais-je? Vous aider? Matt, nous vous connaissons à peine. Il serait malhonnête de notre part de remettre à un inconnu les documents que l'on a accepté de nous confier. Mais s'il nous a écrit, c'est bien pour nous aider, non? Je ne pense pas qu'elle soit inutile. Ah, Aaron et la reconnaissance. Je ne sais pas comment Matt a pu tenir si longtemps. Et que va-t-il faire maintenant? Continuer. Ce n'est pas comme s'il avait besoin de nous. Et vous voulez vraiment lui laisser le Revenge? C'est un instrument dangereux. Nous sommes les derniers probablement encore à s'en rendre compte. Et lui ne comprendra sûrement jamais. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Couler le Revenge? Oui, faire couler le Revenge. C'est une bonne idée. Ce n'est pas comme si tu m'avais laissé le choix, Aaron.
discussion. J'ai reçu une lettre incompréhensible d'un homme dont j'ai cru un instant qu'il se faisait passer pour le fils de Jack Williams. Je n'avais rien à faire ce jour-là, alors je suis venu au rendez-vous. Attends, des registres de démission? Tu ne te rends pas compte? En moins de 6 ans, cet homme a fait l'armée, est monté au grade de capitaine, a fait du droit, est rentré dans la police, est parti et a investi en bourse. Cet homme a des contacts dans tous les milieux les plus inaccessibles aux journalistes. Je ne relèverai pas le fait que tu embauches les gens pour leur carnet d'adresses. Moque-toi. Mais cet homme sait être discret. Essaie de me faire croire que nous n'en avons pas besoin.